Salut à tous, donc oui, j'ai acheté le MagSafe Duo et première constatation, il y a un problème, un petit problème avec l'iPhone 13 Pro. Et je dis bien iPhone 13 Pro parce que tous les autres téléphones de la gamme 13, ça marche très bien et tous les iPhone 12, ça marche très bien aussi. C'est vraiment que le 13 Pro. Le problème vient des objectifs photo qui du coup vont être un petit peu trop bas par rapport au support et du coup ça va laisser un léger décalage. Le téléphone va pas être aligné correctement sur le MagSafe. Et bon, on va pas dire que ce léger décalage va empêcher la recharge en soi. C'est juste que la recharge va être moins optimale. Il va y avoir une petite perte d'énergie. Est-ce que c'est vraiment dérangeant en soi? Pas exactement. Mais en fait, pour une marque qui se dit être vraiment soucieuse du détail, eh ben là, le détail, il est un petit peu foiré. Il y a vraiment un plus gros décalage quand on met une coque. Et ben, on espère qu'il n'y aura pas de problème avec la série des iPhone 14. Du coup, mis à part ça, ben, j'ai pris ce petit truc parce qu'avant, quand je partais et tout, j'utilisais ce gros support pour charger les deux appareils. Mais bon, se trimballer ça dans le sac ou dans la valise, c'est pas toujours évident. Donc, se trimballer avec les deux câbles de recharge, c'est chiant aussi. Donc, j'ai fini par sauter le pas et prendre ce truc. Donc, d'un côté, vous rechargez l'iPhone. D'un côté, vous avez le support pour recharger l'Apple Watch. Apple Watch que vous pouvez laisser à plat par terre ou que vous pouvez un petit peu surélever. Le truc, vous pouvez le plier dans tous les sens, classiquement, dans l'autre sens, etc. L'avantage, c'est qu'il rentre même facilement, au pire, dans une poche de jean et que ça prend pas beaucoup de place. Au toucher, le truc, il est assez doux. Par contre, ce qui me dérange un petit peu, c'est que... Mais bon, enfin, c'est dérangeant, oui et non. Le fait qu'il soit blanc, c'est joli, c'est sobre. Mais j'ai peur que très, très vite... ça vire au gris. Parce que blanc comme ça, c'est beau, c'est classe, mais à mon avis, ça va se salir très vite. Ce petit accessoire est au prix magnifique de 159€. Je l'ai eu actuellement sur Amazon au prix de 109€, un truc comme ça, donc j'ai sauté dessus, voilà, c'est toujours ça de prix. Dans la boîte, vous avez bien sûr le câble, mais sans la prise. C'est de l'USB-C vers du Lightning. Encore du Lightning, il va falloir petit à petit commencer à faire de l'USB-C vers USB-C, ça sera beaucoup plus pratique. Mais ça, donc du coup, pour ma part, c'est vraiment un accessoire qui va rester dans mon sac pour les petits voyages, les trucs comme ça, si je me trouve en rade quelque part. J'ai de toute façon le câble et une prise dans mon sac, donc ça va aller rejoindre ça. Donc voilà pour le MagSafe Duo, rien d'extraordinaire en soi, c'est un chargeur qui peut charger deux appareils en même temps. En gros, c'est un petit peu le résumé. Voilà, que vous pouvez embarquer partout, juste à mettre dans une poche. Tout simplement. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!